Où tu vas kiffer, où le jeu te laissera en plan, quoi. C'est un petit peu ce qui en fait son. Qui en a fait le problème, entre guillemets. C'est qu'il y a eu plein de gens qui ont kiffé. Ouais, moi, je te cache pas que j'ai kiffé. Voilà. Et il y a plein de gens qui sont restés sur le bord de la route. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'un ou les autres ont tort ou raison. Et c'est comme ça, quoi. Après, c'est une aventure, hein. Death Stranding, ça va pas être le FPS du siècle, clairement. Le jeu est ultra généreux par contre pour tout ce qu'il offre quoi. Ah, TPS, pardon. Excusez-moi. Alucard, désolé. Je voulais pas te trigger comme ça de bon matin. Alors ouais, en effet, ça sera. Par contre, le online est très bien utilisé dans le genre où en fait, une fois que tu auras connecté tes trucs, tu auras toutes les constructions des mecs qui sont sur le même serveur que toi. Du coup, t'as une impression en fait de travailler avec les autres. Tu vas poser des plans, y a des gens qui vont les finir. Ouais, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a utilisé le multi. Et plutôt que de forcer à jouer avec les autres en mode si tu joues pas avec les autres, de toute façon t'es dans la merde. Les faire en plastique. Je suis de plastique. Mais bon, je pense aussi que la façon dont ça a été fait, vu que ça te met vraiment en face du fait de faire des quêtes FedEx, hein, soyons d'accord,
Ça te le jette à la gueule, hein. T'es livreur, hein. Voilà. C'est ça qui va poser problème à certains. C'est certain, c'est obligé. Et je leur donne pas tort, hein. Oh, va falloir ouvrir l'atelier de couture. On ouvre tout de suite la métallurgie. En bas d'un fond à fond, comme ça on démolit le mur et on agrandit le bois. Après, le gameplay et l'utilisation qu'il a de la manette sont... On juge génial, quoi. Bon, on peut me dire ce qu'on veut, hein, mais Red Dead Redemption, au niveau ergonomie de la manette, c'était de la merde. Hein. D'ailleurs, assez une honte. Pour un jeu 48 sur 20. Oh, sinon, les gars, en fait, c'est le magasinier qui est censé faire ça. Hein. Pas être méchant. Ah mais on en avait fait qu'un en fait. Bon, le projet, on devrait le finir cette fois. Ça devrait pas être un problème. D'ailleurs, on l'a fini. Parfait. Il nous faudra un autre truc avec de la coupe. Allez, courage à toi, Kaz. Bisous, bisous.
Parfait, on va pouvoir enlever des trucs. Il rangera le magasin, il fait quoi là? Le truc, c'est de garder la motivation en fait le plus haute possible avec le moins d'articles possible. Thank you.
Allez, allez. Ça, là, ils finissent de préparer les tiroirs. Parfait. Si j'avais un vrai établi du bois, putain, j'aurais fait une catapulte. T'es obligé d'utiliser les granulés bio là. Avec de la peinture hautement toxique.
On a vendu. Les râteaux, on est bon. Alors, un truc en bois qui se vend bien. Pouf. Bon, le collège c'est là. Ah, c'est putain, c'est déjà plus comme hier. On peut agrandir direct derrière.
C'est-à-dire que je pourrais directement augmenter mon atelier de bois. Sauf que je comptais l'augmenter là. Et ça, c'est mieux. Et après, je préfère la couture là et augmenter la forge. Et on va faire un pari. 5 400 en plus, celui-là il coûte pas cher à côté. Et du coup, hier à Lucarte, tu disais ouais, le jeu me fait penser à ce que ferait un enfant, si truc. Mais en fait, c'est pensé comme ça en fait. C'est pensé comme un plateau, tu vois, géré par un gosse, construirait son atelier, tu vois. Avec plein de jouets, plein de trucs. C'est pour ça que tes figurines ressemblent à des Playmobil. Alors ça c'est le bois. Donc la découpeuse plasma. Putain, 12 000 quoi, les trois machines quoi. Ah mais non, il en a encore plein.
C'est 20 le marché, hein, 25. Et on va faire les 25. Et 4 Némésis se trouvent. Putain merde, j'ai un Tapnoum. Ils vont tous être de l'autre côté de ça. Ah putain, c'est vrai que j'ai agrandi le terrain, j'oublie tout le temps. Ah! Il était pas trop loin là, arrêtez! Bon là j'avoue il était trop loin. Ouais, je sais que la portée est limitée. Merci de ne pas me prendre pour ce que je suis, hein. Ah non mais. Je crois que j'ai pas compris ton petit jeu là, hein. Alors la valeur marchande c'est bien, mais 23 catapultes ça veut aussi dire qu'il faut de la place de masse quoi. Parce que juste les intermédiaires déjà prennent beaucoup de place quoi. Bon, je pense qu'il va nous falloir un nouvel employé. Commence à être un peu limite. Merde, on a oublié d'appeler Alice. Deux Alice d'un coup? Hop.
D'accord, je vois que j'ai même pas commencé la couture. Pour 5 minutes, hein, parce que je vais le déplacer dans 15 secondes, mais bon. J'essaie d'optimiser un petit peu. Bon, la coupe, on est bon. Donc on va faire la maintenance et relancer un projet de coupe. Ça vaut pas le coup. Oh, ça peut valoir le coup, par contre. Du truc à pas cher, hein. C'est bon. Je travaille pas chez Ikea, hein. Non, je travaille pour eux, mais travaille pas chez eux. Je m'en bats les couilles, moi, que le livreur est pas content. Passera, hein. Ça va, trinquer. Là, je vais me faire 15K avec avec les commodes. Ça devrait être terminé dans pas longtemps d'ailleurs.
Ah, et ils se font chier dans la pièce. Hop, 19 000. Ah, normalement, il y avait 15K de bénéfices dedans. Ça fait plaisir. Là, ça ira mieux parce que maintenant que je vais avoir ma salle de métal. Je vais pouvoir agrandir celle-là. Ça c'est du plastique, ça c'est du tissu. Les haltères. En vrai, les épouvantails, ça rapportait bien hier aussi. On va faire des catapultes. Pas comme Alu. Ah oh putain les vélos. Ah les vélos c'était cool quoi.
Va attendre un peu, démolir ça, mettre une porte là. Et là, on mettra le tissu. Et on sera bon. Et on sera bon. On va voir si on peut pas relancer des canards. Ah putain, le marché du canard est en train de s'écrouler, les gars. C'est une horreur! Les mères de famille ont arrêté de se tripoter la schneck. Ah putain, qu'est-ce que je suis con. N'était pas prêt pour ça. Ah putain merde, ça a pété le mur entre les deux en fait. Je me disais, c'est bizarre, j'ai perdu en motivation, mais... Alors que c'était pas du tout prévu comme ça. Oh, il nous faut un autre, une autre scie à bois. Sixième. Je suis septième. Mais j'ai dépassé la compagnie Parasol. Et ça fait plaisir. Il aurait appelé Umbrella, ça aurait pas été aussi évident.